Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le moment tant attendu, avec un petit peu de retard, et j'en suis désolé pour lancer l'invocation alors qu'il y a le double légendaire ce week-end. Let's go! On commence comme très régulièrement sur mon deuxième compte. Mon deuxième compte, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une pity au moins, yes. J'aimerais bien en récupérer un Moloch sur mes deux comptes, ce serait cool. Betelgeuse, ce serait cool pour avoir un tank sur cette faction et avancer un petit peu. Guana également, j'aimerais bien. Et les deux autres, je les ai déjà. Magdi me permettrait d'augmenter son exclu au niveau 2 et ce serait assez intéressant, mais... Je n'ai pas du tout de team poison sur ce compte, donc j'en ai rien à cirer de l'avoir en fait. Vœux suprême, je suis comment? Ouais, je suis loin de l'appétit, je vais peut-être garder mes suprêmes, que ce soit sur les deux comptes. Let's go, on va sortir GVLC et faire le splag de Boîte Stay. Vous sentez que je suis fatigué ou pas? Est-ce qu'on sent que je suis fatigué? À la régie? Il n'y a pas de régie. Il n'y a pas de régie? Non, il n'y a pas de régie. Et s'il n'y a pas de régie, on s'en fout, arrête de t'enfoncer. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a? Rien d'intéressant. On a eu des persos bannières ou pas du tout? Il y a eu un Bizeden, donc oui, très bien. Ça fera un peu de points, parce que mine de rien, le but, c'est de faire des points. C'est pas de pas à côté. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ici, normalement, il y a le légendaire qui doit drop. Fais-moi voir. Donne-moi ton cœur, bébé, ton corps, bébé. Donne-moi ton bon vieux funk, ta rock, ta soul, bébé. Je veux un Lego Light You. Ok, nouveau. Alors, tout de suite, avant de cliquer et de voir le deuxième, juste comme ça, je l'ai sur aucun des deux comptes, et je voulais un tank du côté des forestiers. Je suis assez content pour deux choses. Tank, et parce que je l'ai nulle part, et finalement une troisième chose, j'aime beaucoup son modèle. Voilà, c'est l'occasion de le tester. Let's go, fais-moi voir le deuxième. Allez, fais-moi voir le deuxième, maman, mon kimono. Et un autre qu'on n'avait pas. Ok, ça par contre c'est de la merde, Arta. Ok, parfait. Légendaire doublé. J'ai l'impression, de par les poules que j'ai vu passer sur Discord, qu'on a eu très peu de persos bannières aujourd'hui, hormis Magdi qui est tombé plusieurs fois. Shardo, on n'en a pas vu la couleur, donc c'est un peu dommage. Oh, un petit cut de Peachy pour un Magdi. Je suis content. Magdi égale pissenlit. Voilà, pissenlit, je pense que c'est le meilleur mot qui pouvait venir. Bien sûr, j'aurais préféré un Moloch, parce que Moloch, je me suis retenu lors de l'invoque de celui-ci, donc ça me saoule un peu de ne pas l'avoir sur aucun compte. Double légendaire, Erta, c'est du caca. Objectif de vœux, on récupère tout de suite comme ça, on se débarrasse de tout ça. La galerie, elle est contente, elle a gagné un non-œuf. Pensez bien à aller chercher... vos petits yeux, les yeux, les œufs de dragon, jusqu'à 20 maxé capé pour avoir le double, profitez-en, moi ça farm dur. Petite parenthèse, il y a eu une info, je reviendrai dessus pendant la news de lundi, mais j'en profite là aussi. Pendant tout le mois de novembre, il va y avoir un espèce de check-in. Alors est-ce que ça va être la même chose que le truc de... c'est pas ici qu'on peut le voir Le daily card, le daily log, ou alors ce sera un autre truc, et qui permettra à la fin d'avoir un coffre de cachet légendaire. Donc ici, d'ailleurs, hop, j'en ai trois, on y va. Donc il faudra se connecter pendant tout, j'ai dit octobre, novembre, tout le mois de novembre, et voilà, ça vaudra le coup. Je pense clairement, s'ils font ça, c'est que c'est le mois où on va avoir la nouvelle faction. Je le sens bien. Parce que ça aurait du sens de nous faire nous connecter tous les jours au niveau de la faction, bah, y aura des persos, c'est eux qu'on va avoir coup sur coup au niveau des nouveaux mobs, donc sans doute, en tout cas sinon c'est stupide. Mais voilà, en tout cas vous avez l'info, maintenant on en fait ce qu'on en veut, le moment venu, je m'occuperai de l'exclu de Magdi plus tard. Pas du tout, je la fais tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est quoi déjà? C'est celle qui augmente son bouclier, let's go. Voilà, hop, ça c'est fait. Bon, il gagne en puissance. Alors, fun fact, j'ai stuff Mamelia. Elle est où, Mélia? Elle est en dessous, en plus. J'ai stuff Mamelia pour qu'elle ait plus d'attaque que Magdi, genre hier. Mais de pas grand-chose, vous voyez. Elle a 32 000 et lui, il a 31 000. Bon, bah, il est pas repassé au-dessus, tant mieux. Parce que quand je faisais des poursuites en tour de force avec Vrister, c'était Magdi qui faisait les poursuites. Et ça me saoulait. Alors, ça soignait tout le monde, mais ça faisait pas les dégâts. Bon, soit, on a compris, c'est très inintéressant, monsieur, ce que vous êtes en train de nous raconter. Pouvons-nous faire autre chose? Oui, on part sur la suite du pool, compte principal, let's go. Je veux
MacD m'intéresse beaucoup plus sur ce deuxième, sur ce compte principal. Et Moloch également, car Moloch, je l'ai pas. Tout le reste, je l'ai. Shardo, si je le drop, on ouvre le sanctuaire incarné, c'est une très bonne chose, mine de rien. Betelgeuse, c'est exclu, pourquoi pas. Mais vraiment, Moloch, ce serait cool, parce que j'aime bien le gameplay qui se cache derrière, et Guyana, bah, ce serait aussi un top move, youpi, tralala, pouette, pouette, pouette. Allez, let's go, on y va, mon pote. Obtiens des héros, voilà, fais des trucs avec tes 10 doigts. Hop, pas de Lego. Et bah ici, alors on va tenter, on l'aura ici bien évidemment, il va drop ici, là je le sens bien, regardez, je bouge ma souris, il est là le bâtard. Oh, Inna, je me gourre toujours entre Anna et Inna. Ok, bon, hors bannière, et pas vraiment un personnage qui me fait plaisir de drop. Nouveau mob. Oh, la doublette de l'angoisse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de... Là, j'ai l'impression d'être au début de Wayne's World quand il dit qu'est-ce que tu veux que je branle, qu'est-ce que tu veux que je foute d'un râtelier à flingue. C'est exactement pareil. Qu'est-ce que tu veux que je branle de Margarita, quoi. On va aller étendre les vœux. Si on peut aller péter une pitié, la craquer avant, on n'y arrivera visiblement pas. Il m'en faut combien? Il m'en faut 60. Eh ben, vous savez quoi? On a aujourd'hui le goût du risque. Attends, elle est à combien la pitié suprême? Oh, pas du tout. Elle est comme sur l'autre compte. C'est de la merde. On va aller sur le marché. On va aller chercher du poisson, il est bon mon poisson? Non, pas du tout. Ici, hop, on en prend deux. Parce qu'on a un peu de cristaux, on en profite. On a les cristal mètres? Pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, let's go. Hop. Et là, on va cut, ce qui fait qu'on aura 10 vœux en trop. Ce qui va nous casser les couilles, bien évidemment. Pas du tout. Ok, hop, 10 vœux, pouette. Montre-moi un légendaire. Vu que tu veux vraiment me filer de la merde, moi, je veux bien que tu m'envoies un Shardo, pas parce que c'est de la merde, mais juste parce que je l'ai déjà trop. Oh, 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 très bien, monsieur. Ouh, ça joue sérieux, là, ça joue vraiment la vraie vie. Ok, très bien, Isander qui sera dans les prochains guides que je vais faire, qui est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai envie de tester des trucs avec lui. Il est où? Il doit être en bas. J'ai envie de tester des trucs avec lui, et monter l'exclu est une très bonne chose, parce que ça va me permettre de pas avoir à utiliser trop de non-œil si je veux le up à fond, parce que je réfléchis à lui mettre des yeux. Pareil, je m'étais dit, j'attends ici, je mets un œil ici aujourd'hui, comme ça, hop, elle passe son exclu 3, elle devient hyper intéressante, parce qu'elle a plus besoin de mate pour envoyer du steak. Et si je ne me trompe pas, il y a Anna également. Hop, parce qu'on a eu la quête de héros qui s'est terminée en début de semaine. Pouette, j'ai gardé pour faire les points sur l'event. Et l'autre, c'est Inna. Inna qui est un peu plus bas, qui est là. Salut. C'est quoi déjà sa première exclue? Je ne m'en souviens donc pas du tout. Hop. Nanana, bouclier de mana débordant, consolidation 2 à tous les alliés pendant 2 tours, n'est pas au niveau 2, inerte. Ok, très bien. Donc ça va être intéressant parce que j'ai besoin d'un tank en plus dans cette faction. Alors, je dis ça, mais j'ai up Frisch il y a pas longtemps. Il est où? Il est au-dessus? On s'en fout. En tout cas, c'était les poules. Là, pour le coup, c'était pas incroyable du cul, clairement. C'est pas le pool le plus chouette du monde que j'ai eu. Tant pis. De toute manière, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On est toujours dans le stand-by du... qu'est-ce qui va se passer? Ah, j'ai plus de... Ok, j'ai plus... J'ai déjà acheté, ici? Ouais, j'ai déjà acheté. Hop, événement, bientôt dispo. Voilà, hein, on a la soirée des fantômes. On est toujours en attente, ici. Donc, très bientôt. On en saura plus. Est-ce qu'il y aura de limité, tout ça? Bon. J'espère que vous avez eu plus de chance que moi. J'en ai pas eu tant que ça, ça fait des semaines que j'ai pas de chance. J'espère vraiment me rattraper sur les miraculeux quand ils arriveront, parce que j'ai préparé le pool. Mais en vrai, l'absence de luck commence un peu à me saouler, je vais pas vous le cacher. Même si le compte que j'ai est quand même assez gros actuellement, mine de rien, j'aimerais bien retrouver un petit peu de luck pour avancer dans le contenu. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. En tout cas, voilà. Tu n'hésites pas à rejoindre le Discord si tu as envie de nous montrer, ne serait-ce qu'une petite capture d'écran de tes poules. Ce sera avec plaisir qu'on regardera ce que tu as eu et qu'on jettera du popcorn ou des canettes de bière si c'était pas terrible. Vous pouvez m'en jeter, vous avez vu ce que j'ai eu. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, si tu as envie de voir toutes les semaines le pool foireux, parce que on va finir par appeler ça le pool foireux, parce que c'est comme ça que je vis mes vendredis que j'attends chaque semaine pour voir de la merde. Et on se retrouve dans les prochaines games, les prochaines vidéos. Salut!